Un policier s'est tué à Paris dans un accident de moto survenu alors qu'il était poursuivi par des collègues, apprend-on de sources policières. Une équipe de la brigade anticriminalité a pris en chasse vers 5h30 du matin dans le secteur de la Porte de la Chapelle un motard qui venait de brûler un feu de la circulation. Il est parti à vive allure sur le boulevard périphérique, puis l'autoroute avant de sortir à Seine-Saint-Denis. Les policiers disent l'avoir perdu de vue avant de le retrouver gisant sur la chaussée. Il avait apparemment percuté une voiture en circulation puis une autre en stationnement. Il est mort sur place. C'est après son décès que les policiers ont découvert qu'il s'agissait d'un agent de 36 ans de la police de l'air et des frontières en poste à la gare du Nord et qui venait de terminer son service.